La slackline, c'est né aux États-Unis. Ça s'est développé depuis une dizaine d'années en France. On en voit de plus en plus. Aujourd'hui, ça vise un public large, très vaste. Ça va être utilisé avec les enfants parce que c'est très ludique. C'est vraiment très très ludique comme activité sportive. Ici, là, c'est on va dire de la slackline basique, donc juste pour marcher. Après, il va y avoir de la long line, donc c'est pour les très grandes distances. Et de la high line, pour les très grandes hauteurs. Et une dernière discipline qui est plutôt acrobatique, qui s'appelle la jump line, qui s'apparente un petit peu au trampoline dans les figures. On ne pourra jamais aller aussi haut que le trampoline, mais par contre, on peut profiter de la sangle justement pour faire des figures plus particulières. Les machines de ligne, c'est né il y a à peu près un an. L'objectif aujourd'hui de cette association, c'est de promouvoir la pratique. Je me suis mis il y a à peu près un an aussi, au moment de la création de l'asso. J'ai découvert ça par un ami, qui avait découvert ça par un ami également. Je suis monté dessus, j'ai beaucoup aimé le fait de devoir persévérer pour réaliser des progrès, mais ces progrès arrivent quand même rapidement. On est vite à réaliser quelques pas, puis à traverser une longueur, à faire un demi-tour pour traverser deux longueurs, etc. etc., etc. Et moi, je vais vraiment apprécier l'immersion que ça demande. C'est un moment où on a besoin d'être très concentré, d'être centré sur soi-même pour pouvoir tenir en équilibre. Et à ce moment-là, eh ben, on fait du vide dans sa tête.